la Biennale de Bamako est peut-être un des événements les plus forts que l'on puisse voir. D'abord parce que c'est une biennale et donc tous les deux ans se retrouvent ici les plus grands créateurs, les plus grands cinéastes. Et on voit des œuvres d'une très très grande qualité. Moi, en tant qu'Africain, j'aime ces lieux. Au-delà de la visibilité que ça peut nous apporter, c'est montrer à la jeunesse africaine qu'il y a des artistes qui travaillent, qui créent, qui proposent des choses et que ça peut donner une impression à toute une génération. Donc je pense que les rencontres de la photographie ont provoqué une professionnalisation du secteur. Et je pense aujourd'hui, quand on voit toutes les jeunes générations, toute la jeune génération de photographes maliens qui ont suivi les rencontres du PSR, on voit très bien comment leur regard a évolué, comment leur exigence a évolué. La photo n'est pas seulement un art, c'est un art qui parle, c'est un art qui dit quelque chose, qui montre du doigt. Et la thématique choisie cette année, qui est celle de l'environnement, du développement durable, permet de montrer des situations extrêmement inquiétantes, dramatiques, tragiques même. Où l'on voit comment la nature de ce continent a été gagnée par elle aussi par la destruction, par la pollution. Premier ministre, on attend le Premier ministre. De mon point de vue, c'est un exemple, hein, parce que on est là, on a créé une démarche professionnelle, on a mis en place quelque chose qui fonctionne au plan africain et qui fonctionne au plan international. Donc cela prouve à la fois l'importance que la France attache à cet événement, la France de la culture attache à cet événement, et en même temps combien cette coopération est forte. Écoute, moi je pense que c'est une idée formidable. Je pense que nos pays africains doivent s'inspirer de ça. Parce que c'est pas normal aujourd'hui, nous sommes en 2011, qu'il n'y a que ce biennale qui regroupe que les acteurs africains. À un moment donné, il faut que l'Afrique s'investisse aussi dans cette forme artistique. Parce que sans la création, l'Afrique va toujours traîner les pieds. Et moi, je suis vraiment content que de la France, de l'Union européenne, tous les acteurs qui amènent les fonds pour que ce biennale.